Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ça va être une balade à Kend. Donc avec son centre-ville, sa plage et son aire de service ou stationnement camping-car, hein, puisque je privilégie dans mes vidéos le tout en un, on va dire. J'aime bien. Et ce midi, donc on fait des moules. Voilà, donc une petite sauce à la crème. Donc cette fois-ci j'ai essayé, je sais pas ce que ça va donner, hein, donc avec des oignons rouges. Et on a les moules, hein, qui sont en train de cuire. Voilà. Donc j'utilise un petit truc qui est sympa, je sais pas si vous connaissez, hein. C'est des petites doses de vin blanc comme ça en plastique. Ça évite d'avoir une bouteille qui traîne de vin blanc, on va dire basique, qui est pas super buvable en apéro quoi. C'est une dose culinaire et je trouve ça sympa parce que bon après on le jette et il n'y a pas de bouteille qui traîne. Voilà. Donc c'est bien parce qu'aujourd'hui j'ai remis le petit gilet avec le courant d'air. Il fait super beau dehors au soleil, mais un petit peu frais. Et en fait, on apprécie après cette canicule. À plus tard et bon appétit à tous. Je vais vous montrer. J'ai trouvé deux super voitures. Voilà, donc ça vaut largement des Porsche, des Mustangs et tout ça. Vous n'allez pas deviner ce que c'est, hein? Si? Allez, c'est une voiture d'époque, une superbe décapotable. Allez, je vous les montre. Voilà. Donc la première et la deuxième à côté. La voiture de ma jeunesse. Je trouve ça génial. Elles ont été restaurées vraiment superbement. Méhari, Côte d'Azur. Elles sont vraiment très très jolies. Ça vous donne envie, hein, ça, pour vous balader à la mer. Moi, j'adore. J'adore rétracter ce genre de véhicule. Bon, je roule pas bien vite là, hein, franchement. Hein, 12 km/h, oui. Donc après, on continue. Qu'est-ce que je suis en train de filmer là? Le vélo. Donc on est en train de continuer sur la piste cyclable. Voilà. Ce sera beaucoup mieux. Donc c'est à droite ou à gauche. Mais bah nous, on va aller à gauche. Entre les deux, mon cœur balance. Donc vous voyez un peu les pistes cyclables. C'est vraiment le top du top. Donc le seul danger, c'est de rencontrer un cycliste fou. Bon. Il y en a d'autres, hein. Parfois des gens promènent leur chien. Il faut faire un petit peu attention. Mais bon, c'est guère tout. Là, je suis en train de faire une super pointe de vitesse. Allez, à 12 km/h. Oh, tu suis mon zozo derrière. Tu suis mon garde du corps derrière. Voilà. Donc il est toujours derrière parce que bon bah évidemment je vais moins vite. Hein. Avec la caméra et une main, c'est un peu plus compliqué. Il a tendance à être parti loin de devant et je le vois plus après. Pour filmer, si je te vois plus, c'est embêtant. Bon, puis après, je vais être obligée de filmer tout le temps tes fesses.
Ah, il y a du monde devant, on va faire attention. Allez, je vous remontre autre chose que ma trogne. Donc là, vous arrivez au parking obligatoire de Ken de plage que je vais vous montrer. Ouais, c'est sympa ça. Voilà, donc ça c'est l'aire de Ken. On va aller en faire le tour ensemble. Donc vous avez des emplacements, ce que je trouve bien aussi pour personnes à mobilité réduite. Donc GIG et GIC. Vous avez l'air ici, des vidanges. Il y a quelques petits emplacements sympathiques. Donc visiblement les gros poids lourds, hein, ça le passe sans problème. Donc c'est tout contre la forêt. Je sais pas combien il y a d'emplacements, mais beaucoup en fait. Hein. Beaucoup, beaucoup, sans électricité. Donc voilà pour la borne de vidange. Je vous remontre un petit peu mieux parce que en passant à vélo, c'est rapide. Voilà. Donc juste en face, hein, vous avez toujours les fameuses locations de Belle Dune hein, qui sont entre Formahon Plage et Kend, hein, donc dans toute la forêt vous en avez. Et donc il y a une promenade évidemment à vélo, mais aussi pédestre, hein, poussette, etc. à faire. Vous avez la piste cyclable hein, tout contre, donc il n'y a vraiment pas besoin de reprendre la route avec les enfants. Trop bizarre ces troncs. Celui-ci, on dirait un diapason. Les musiciens sauront de quoi je parle. Donc ça, c'est une balade à vélo qui va vers Monchaux. Alors, je ne peux pas vous dire ce que c'est, puisque on l'a jamais prise, celle-ci. Donc voilà, quand on arrive à Kend. Pour les camping-cars, c'est noté hein, ici, suivre le fléchage. Et là, on a la superbe église. Je vais vous faire visiter la superbe église de Kend. Donc on n'a pas pu rentrer parce qu'il y avait un mariage. Je vais vous faire visiter l'extérieur parce que, on va pas dire malheureusement, on va dire heureusement parce que c'est un... quelque chose de beau, hein. Il y a un mariage. Donc ce sera pour une prochaine fois, je vous invite à la visiter parce que
Elle est très jolie à l'intérieur. On l'a déjà visitée, mais on l'avait jamais filmée pour YouTube. Voilà, donc au carrefour, vous avez l'office du tourisme. Vous avez la plage de Kend. Aujourd'hui c'est un petit peu plus venteux. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est pour les vélos? Non, c'est comment vous trouvez Kend? On a l'habitude parce qu'on nous demande 50 fois quand on se balade, toujours pour les vélos. Ils sont pas à vendre. Non, ils sont pas à vendre. Vous avez pas mangé de gaufres aujourd'hui? Non, pas encore. Hein. Ni de glace. Parce que mon mari est un ventre sur pattes. T'en as un joli t-shirt. C'est quoi? Hein, c'est la collection, je peux pas, je me barre en camping-car. Voilà. Les petites maisons colorées. C'est super joli. Ah là là. Il y a du vent aujourd'hui, mais c'est agréable. On vient, on va faire un petit truc. Bah oui. Et n'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, un petit pouce juste en bas là, c'est là. Et n'oubliez pas de vous abonner. Cela nous aide tout simplement à avoir de la visibilité sur YouTube. Des bisous à tous. Voilà, et ça nous fera plaisir. En plus, ça nous fera très plaisir. À bientôt. À bientôt, merci.